précédemment dans le zapping du rugby. J'ai utilisé devant Matfield. Oh là 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 là, ils sont à plus de 4 mètres 30. Il a enlevé le sandwich de la bouche. Si, mais il n'y a pas encore essayé, si le ballon sort, à mon avis, ça ne devait pas tarder. Avec lui, l'essai. Sur les impacts, il recule quand même. Ouais. Chaque fois qu'il y a collision, c'est les Sud-Africains qui avancent. Les carambolages sont pas bons. Aïe, aïe, aïe. On va pouvoir dégager, il n'y a pas en avant. Le ballon était sorti du rang. Tiens, on va saluer Bernard. Un numéro 10 qui est à Dunkerque en tournage en ce moment. Qui était surnommé la Vogue Royale quand il joue au rugby. À très bon niveau en région parisienne. Un certain Cadmerade. Passage de témoin entre Isa et Fernandez Lobé. Qui a serré la main de l'arbitre. Qui tient sa révérence. Bravo Juan pour tout ce que tu as apporté au rugby argentin. 71 sélections. Il était mieux Juan, il sait que c'est la dernière fois, que c'est fini. Il en profite, il sort de ce stade olympique. Regardez Schalberger, regardez le geste. Ouais, sympa. Ça c'est merveilleux. Ciao mon pote. Voilà, ciao mon pote. On a fait rayer ensemble pendant des années. Et c'est vrai. On a été champion du monde. Quel geste magnifique. Ouais. C'est sympa. De respect, tout simplement. C'est énorme. Ouais. Vous voyez ce joueur, en gros plan, là, qui relance. Je vais nous raconter son histoire. Mercator, raconte-nous une histoire. Même deux histoires. Ce joueur, Bernard, est passé par Dax, il est passé par Brive. Père Castor, mets tes lunettes et lis-nous tout. Père Castor, raconte-nous une histoire. Il a eu une maladie quand il était jeune. Et figurez-vous qu'il a 3 cm d'écart entre la jambe droite et la jambe gauche. Il joue avec une semelle de compensation. Mets tes lunettes et lis-nous tout. Et 3 cm, c'est énorme. Toujours... pour Thomas Koubeli. Et le drop. Petit drop. Et ça va passer. Et oui. C'est bien fait. Et il repasse devant. Le compte est bon. Là, je peux vous dire. Là aussi, de légende. C'est une légende. Burger. Énorme joueur. Voilà. C'est bon, ça. C'est un ancien qui ne veut pas arrêter. La fausse sortie de Jack Burger. Pour l'histoire, on notera. Alors que revoilà la sous-préfète. Alors que Burger, cette fois, avec le sourire, il se dit voilà la révérence. Bonsoir. En avant. En avant. Mais Strauss fait une grosse rentrée. Ils ont dit. Au pied par-dessus. Allez, le rebond pour Abada. Christian, très bel enchaînement. Ah non. Non, il n'y est pas. On est là. Off the foot, Péan. Hey, il va y aller. Oh là. C'est dangereux. Il y a là-bas. Cette offrande. Ouais, bien joué, ça. Là. Bien joué, ça. Au très large, Abada. Abada. Toujours pas. Non, bien joué pour là. Oh. Sur ce côté-là, à présent, avec le ballon récupéré là, par le Oh là là, Abana, au pied par-dessus. Attention, Abana. Attention, Abana. Oh là là. Aïe. Pénalité contre lui. Je crois que c'est le contraire, quand même. Ça fait éviter un plaquage. Oh là là, l'interception. Donc, j'ai fait un petit effort, quand même, pour pas avoir l'air d'un gros lard.
Pour moi, il y a un carton. Ah, il faut la jouer, il faut la jouer évidemment sur... en avant. En avant. Joueur argentin, on va le voir certainement. Non, on voit en avant de Yann Abala. Il n'a pas marqué ce soir. L'histoire retiendra que comme John Alomou, il a marqué 15 essais en phase finale de Coupe du Monde. Lui aussi, c'est un monstre. Ouais, ouais, grand joueur. Ah, s'arrête. Et il tape un tout. Oh, il la trouve pas. Il la trouve pas. Ah, vous parliez de concentration, là, vraiment. Là, ça en dit long. Et le stade a pris fête et cause pour l'Argentine. C'est la fête. Ils ont ce sens-là en eux. Ah, c'est un beau public, ça c'est sûr. Ouais. On est dans le temps additionnel. Allez, on joue vite. Oh, Sanchez. Allez, tout le stade avec eux. Allez, les Sud-Africains vont rien lâcher. Il y a essayé. Et l'ancien joueur du Racing qui permet à Nicolas Sanchez de... qui confirme qu'il est le meilleur buteur de cette Coupe du Monde avec 97 points. Les Sud-Africains ensemble. Et il va y avoir cette poignée de main, toujours sympathique. Coup d'envoi de la 8e finale de la Coupe du Monde. Allez, il arrive lancé, comme toujours. Et on y est à la descente. Je ne sais pas où il est le plan de jeu. Ah, on change de maillot, voilà. Mais ils prennent la foudre, les Australiens, pour le moment, Kenny. Ah ouais, là, ils y sont pas. Hein. C'est compliqué sur cette entame de match. Hein. Steven, thank you. Off you go. Off you go, please. Christian, le numéro 19, Vito. Imaginez les spectateurs du stade du Hameau à Pau qui, dans un pas longtemps, vont voir Conrad Smith débarquer. Il faut sortir. Attention, ils ont joué rapidement. Ils ont joué rapidement, les Blacks. Ah, mais si ça... Ah. Oh, pénalité contre les Blacks, regardez là-bas. On lâche pas le ballon, ça c'est quand même un peu prétentieux, hein, Christian. Et regardez, moi je trouve qu'il y a des signes de solidarité dans cette équipe australienne depuis le début. Alors, ballon sorti. Ah oui, non, il a plus le ballon, c'est le pilier. La 6e phase avec la 7e en cours. Oh là, il est haut. Oh là là, l'occasion. Regardez, c'est là. Kepua nouvelle. Oh là, il n'a pas le droit de faire ça. Il n'a pas le droit de faire ça, je suis désolé. Guito, il revient pas, hein, Matt Guito. Non, non, Christian, c'est un protocole commotion, il rentre plus. Il va revenir? Non, non, apparemment non. Ça va être terrible. Protocole commotion? Ouais, ouais. Oui, non, ça va alors, si jamais. Non, non, mais apparemment il rentre plus. Hein. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Surnom, moi Christian. Je veux rien dire, mais il y a un surnom, parce que ça sort. Il s'est pas allé au bout là-bas. Ah, il y en a marre. Hop, parce qu'il va aller en revenir. Il n'a pas vu, il y avait un avant, Christian. Oui, oui, oui. Il y a un en avant terrible. Et on sent qu'il commence à y avoir des espaces. Aaron Smith. Oui, alors ici. Il va y avoir ici. Il va y avoir ici. Il y a ici, Christian. Il y a ici. Essai. Extraordinaire, ici. À peine 8 sélections. Regardez, je suis dans le dos. Ouais. Croisé. Oh, fantastique. Et tout le monde joue juste. Et ce diable de Mako, toujours là. Oui, toujours échaîner le jeu. C'est Il est passé de nous. Attention de nous, il va à nous. C'est bon. Là, on voit ce qu'a fait Sonny B. Ah oui, magnifique. Et derrière, la protection du ballon. Et le slalom. Et ça va trop vite, Christian, disons les choses comme elles sont. Ça va trop vite pour les Australiens aujourd'hui. Les conditions. Elle est stable. Elle est belle. Est-ce que ce ballon va sortir? Oh, la puissance dégagée. Attention, faut le tarot. Elle est contestée. Aïe, aïe, aïe. Ils sont pas marqués. Oh là là. Ils sont pas marqués. Oh, ça peut faire mal. Miller Skinner. Il a marqué. Attention, il va vite, il va vite. Retour de Tony Mitchell. L'interception. L'interception. Allez, il faut y aller. Avec le T-Bill. Jusqu'à l'occasion, ça va pas dans votre sens. C'est du rugby champagne. J'ai mal pour les Australiens. Ça mérite pas grand chose. Non. Même si on n'a pas le droit, effectivement. Non, on n'a pas le droit de faire retomber le joueur. Est-ce que vous avez vu un truc, Bernard? Suivant l'angle qu'on vous propose, c'est plus ou moins spectaculaire. Exactement.
Un angle ? Les angles, c'est un peuple. Non, non, mais non. Enfin, si, c'est un peuple, mais là, on parle pas de ça. C'est pas méchant, mais c'est l'intention. Ça peut le devenir. Ouais, vous avez raison. Donc, il faut que tout le monde soit à la même enseigne. Quand vous dites qu'ils ont écroulé le mol, ils l'ont pas vraiment écroulé, sinon il y aurait une faute, ils l'ont annulé. Oui, ils l'ont annulé. Le mol s'est écroulé, effectivement. On n'a pas le droit de. On peut. On n'a pas le droit de plaquer. Voilà. Voilà. On n'a pas le droit de plaquer quelqu'un qui est. Qui participe au mol. Ils l'ont anéanti. Voilà. Par contre, on a le droit d'écrouler, de tirer vers le bas, comme, voilà. comme à la lutte, ouais. Mais on ne peut pas plaquer aux jambes un joueur qui participe au mol. T'es gagné par-dessus. Il est pas parti. Il peut y avoir essai. Allez, il peut y avoir essai. Attends, c'est Cooper. Il peut. Il est tout seul. Il va y avoir essai. Il va y avoir essai. Allez, essai. Ils sont passés près du chaos, Christian. Ouais. Ça aurait pu être la raclée du siècle à un certain moment. Et la finale. Et là, comme un boxeur. Kali était trop pris parce qu'ils ont pu remplacer les Australiens. Sheikha, il avait envoyé un texto, mais il dit à Kali qui s'échauffe. Je suis chaud patate. Allez, Carter. Petit coup de pied tactique. Allez, bien joué, Marc. Ah, le drop. Non, que c'est bien fait. Que c'est bien fait. Monsieur Carter. C'est presque une balle de match pour Dan Carter. Ce drop. Oh, ce drop. Il va croiser avec Mitchell. Attention, ça peut aller très vite. Ben Smith, au pied. Attention le contre. Ça peut aller très vite. Ben Barrett. Ils sont champions du monde. Le Pays Basque lève les mains, le rugby se vit dans nos cœurs.